compañeros, amis du Venezuela, militants conséquents de la lutte anti-impérialiste, nous ne pouvons qu'être indignés par ce nouvel acte de la guerre économique, médiatique et militaire contre le camp bolivarien. En effet, après avoir récemment mis à prix la tête du président vénézuélien Nicolas Maduro, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, dans leur violence habituelle, sont allés jusqu'à profiter de la pandémie pour tenter un débarquement de paramilitaires venus de Colombie sur les côtes vénézuéliennes. Ceci avec un prétexte fallacieux, la lutte contre le trafic de drogue. Alors même que c'est leur chouchou, le traître Juan Guaido, qui est lié au cartel de la drogue colombienne, à la pègre et au terrorisme international. Néanmoins, ce fut un échec, comme à Cuba le 17 avril 1961. Aussi, nous félicitons les travailleurs, les pêcheurs ainsi que l'armée vénézuélienne et ses dirigeants pour avoir anéanti cette attaque. Nous constatons à nouveau que le peuple vénézuélien, volontairement invisibilisé par les médias dominants, est toujours derrière son président, Nicolas Maduro. Par ailleurs, pendant la crise du Covid-19 et malgré le blocus, celui-ci a si bien organisé les efforts pour nourrir sa population et veiller à sa santé, ainsi que sur celle des autres pays, que l'ONU a demandé au Venezuela l'autorisation de copier son modèle de lutte contre l'épidémie. À quand une copie économique des pays rescapés du camp socialiste? En tout cas, cette résistance anti-impérialiste, de Cuba à la patrie de Chavez, doit nous inspirer. Je dirais même plus qu'elle nous oblige à plus de résistance, à plus de vigilance, à plus de solidarité internationaliste. C'est pourquoi nous vous conseillons, en plus de la dernière déclaration du Rassemblement communiste, à la lecture de La gauche et la guerre, le dernier livre de notre camarade Saïd Bouamama, coécrit avec le journaliste Michel Colomb chez Investigation. Hasta la victoria, siempre!